Bonjour à toutes et à tous, ici SPRH pour vous faire la suite de notre let's play découverte de Stellar Blade sur PS5. La dernière fois, on s'est enfin aventuré vers le plateau Levoir. On a été attendu par l'une des gardiennes de la chambre d'Orcal qu'il fallait vaincre pour prouver qu'on était digne de passer. Et on est dans un labo un peu abandonné, à l'ambiance un peu Dead Space, on va pas se le cacher. Rempli de créatures pas cool, et pour seule arme, le drone, parce que ma lame et l'analyse sont indisponibles pour cause de champ électromagnétique. Et ici, il s'est passé des choses pas très catholiques. Donc sans plus attendre, on continue. Dans la joie et la bonne humeur. J'avais dit la joie et la bonne humeur, mais ok. Engageant tout ça. Oulo. Ouh, j'aime pas. Les lumières sont rouges. J'ai un mauvais pressentiment. Il y a un truc qui va me tomber sur le coin de la gueule. Oh mince! On est coincé! Ah, d'accord, derrière moi. Il faut traverser les lasers sans une seule égratignure. En dessous. Alors d'ailleurs, j'ai regardé dans le codex, ces trucs là, ça porte le nom bien sympathique de cobaye. Voilà. Non mais où? Oh ça, le jeu était quand même assez généreux en balles là-dessus. Ça fait du bien. Voilà, l'ascenseur devrait fonctionner. Se propage jusqu'ici? Il y a sûrement un point faible. Bon. Ok. On va mieux. Les points faibles, ce sera mieux. Bon travail. Bon, dans le doute. Et on reprend un peu de munitions. Et on est bon. Classique.
L'ouverture des portes, parfois, c'est un peu laborieux. La contamination se propage ici. Ouais, c'est de mieux en mieux. Ok, la fois mot de passe. Fermé. On doit chercher un code de sécurité. C'était quelque part par là. Alors, c'était marqué grille du conduit d'aération, donc ça doit pas être ça. Essaie d'entrer le code. Si, c'est bon. Ça a marché. Ça pue. Ça pue. Comme je sais pas où est la suite, où est l'annexe. Ah, l'annexe était au bout du couloir. Oh, triste, je peux rien ramener. Je suis full de partout. Bon, c'est quoi l'arnaque? Par le vent. Viens, sortons d'ici. Attendez, à pire, ça va. Parce que ça aurait pu être pire. Apparemment, je peux descendre. Et il faut descendre. Ok, un petit piratage. Ah, il est comme ça lui, ok. Et le temps que je repère où c'est et que mon cerveau analyse la situation. Aussi un camp de ravitaillement. On devrait se reposer un peu. Oh, bonjour toi. Mode d'utilisation de l'injecteur. Ah, ça j'aime. Par contre, j'avoue qu'un camp de ravitaillement ici... C'est 1, pas normal, et 2, ça pue.
Il m'en faut encore 2 pour améliorer l'injecteur. Ok, il me faut encore 3 omnivis pour l'équipement de niveau 2. Ok. Le drone. Donc ça c'est L2 plus la touche du bas. Ah, faut que je maintienne la touche. Parce que c'est ça que je faisais mal. Ok. Senaitiba semble presque humain. Senaitiba sont vraiment différents de ceux à la surface. Je ne reconnais pas la plupart de Senaitiba. L'ancestral, tu nous caches quelque chose. Mais quoi ? Allez. On va pas aimer ce qu'on va découvrir. On s'en fout, la gueule de la zone, on va pas aimer tout court. Ah yes. J'adore le principe. Maelstrom. Ah, c'est pour ça qu'on voit des cobayes, pour que je récupère des balles. Je comprends mieux. Ok, donc on va rester appuyé. Ok, j'ai enfin compris comment le jeu fonctionne. Ça va pas être évident. On est à l'ancienne. Ça fonctionnera très bien. Ça, pour le cœur, c'est beaucoup plus efficace. Quand même. Salut, on sera bon. C'est intéressant, lui. Ça change un peu. Regarde, un hyperdrive.
Le statut de préservation de l'hypercellule est bon. Bon. Fais attention maintenant. Tu devrais rentrer. Je vais préparer le tétrapode en attendant ton retour. Attends. Il y a un héritage ici. Un héritage? Qu'est-ce que c'est? L'appareil contient des enregistrements d'un vieil escadron aéroporté. Ils fournissent des informations importantes pour le prochain escadron. Je vois. Mais pourquoi un escadron aéroporté serait arrivé jusqu'ici? Ils savaient peut-être des choses sur l'Alpha ou le natif ancestral. Je vais consulter l'héritage. Jour 8 après la seconde plongée. Troisième enregistrement. Héritage de Raven. Survivant Ripley et Inès. Inès va vraiment mal. À ce stade, il est très probable qu'elle meure. Nous avons découvert ce laboratoire à 4,47 km du point d'atterrissage. On dirait que cet endroit servait à étudier les Naitiba, mais la contamination est telle qu'il est difficile d'obtenir des informations. Cependant, j'ai découvert quelque chose d'étonnant en parcourant toutes les données. Avant la guerre que nous appelons la dernière guerre, il y en a eu une autre. C'était une guerre opposant l'humanité aux androïdes que l'humanité a elle-même créés. Les fameux Androeidos. Les humains ont perdu contre leur propre création. Ceux qui ont survécu se sont cachés dans des complexes souterrains. Mais c'était loin d'être la fin. Cependant, un élément inattendu a changé le cours de la guerre. Alors que l'humanité risquait de s'éteindre, les Naitiba, de puissantes créatures d'origine inconnue, ont fait irruption. La guerre contre les Naitiba a apporté la destruction des androïdes. Alors, c'est à ce moment que l'humanité a réussi à fuir vers la colonie. À partir de maintenant, je vais enquêter sur les origines des Naitiba. J'espère finir par trouver le Naitiba ancestral au point d'origine. À quiconque regardera ceci, que la matriarche te bénisse. J'ignorais qu'un tel enregistrement existait. Et il y a eu une autre grande guerre avant la dernière guerre. Je n'ai jamais entendu parler de ça à la colonie. Tu en penses quoi, Adam ? L'histoire de l'humanité est entachée par la guerre. Ça ne m'étonne pas que des conflits aient éclaté avant la dernière guerre. Mais quand même, c'est étrange que ça n'ait pas été transmis. Je vais récupérer l'héritage et partir. Attends, Eve. Je vais te récupérer avec le tétrapode. Ok, je t'attendrai. Alors, après tout ça, mon hypothèse, que j'avais pensé à l'épisode précédent sans le dire, s'est en partie vérifiée. Donc, de mon point de vue, avec ce qu'on vient d'apprendre, la guerre des humains contre les androïdes, les humains pourraient être à l'origine des Naitiba. Ça expliquerait pourquoi on en a vu autant dans les souterrains et de forme humaine, et qu'ils s'en seraient servis pour combattre les androïdes, mais que ça leur échappait à leur contrôle et que ça se retournait contre eux. Des résidus trop classiques. Pour l'instant, c'est ce que je comprends, et du peu qu'on a vu, ça pourrait se vérifier. Eve, tu as été géniale. Tu veux retourner à Action ? Est-ce que tu as autre chose à faire ? Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Comment puis-je t'être utile ? Alors, noyau d'arme déjà. Donc ça, on passe l'arme au niveau suivant. Là-dessus, on peut pas faire grand-chose de plus. Donc avec Lily, on est good. De toute façon, ici, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Les seuls trucs qu'il faudrait que j'explore, c'est hors quête annexe. Et ça se trouve, j'aurai des quêtes qui vont m'y mener. Donc en fait, on peut juste retourner à Xion
tout peinard pépouze. Eve, tu as été géniale. Tu vas retourner à Action ? Dépêche-toi, monte. Bon, on va aller voir Orcal. On va donc ne pas le voir et rendre les quêtes qu'on a à rendre. Alors, il faut qu'on rende les quêtes à Kaya. Il faut qu'on apporte les pièces à Lily. Et il faut qu'on fasse le rapport pour la quête du frangin. Ok, alors déjà du coup, Lily. T'étais là. T'es déjà allée à la chambre de présence ? Lily, les préparatifs sont terminés. Très bien, on commence. Tu peux faire venir la patiente ici pendant que je prépare le processus ? Je la fais venir. J'ai vraiment fait de mon mieux. C'est pas parfait, mais la patiente devrait se sentir bien mieux. Sue, tu es là? Je peux te sentir. Enya, tout va bien? Enya? Oui. Tes mains sont toutes chaudes. Ça fait si longtemps. Enya. Eve. Ça commence à me revenir. Tu m'as aidée. J'aimerais te remercier, mais je n'ai absolument rien à offrir. Je ne suis vraiment bonne qu'à chanter. T'entendre chanter me suffira. Et puis, il faut remercier Lily, pas moi. Car c'est elle qui t'a sauvée. Ça, c'est fait et c'est une bonne chose de faite. Enya est une femme qui habite dans un pub souterrain d'Oxion appelé The Last Gulp. Son corps était grave en deux. Bon, ça ne nous apprend rien de plus que ce qu'on savait déjà. Ok. Bon. Maintenant, faut qu'on aille voir Kaya. Là, j'ai deux quêtes à récupérer. Il faut qu'on aille ouvrir le j'ai oublié le nom. L'entrepôt. Daron qu'on a récupéré avec le mot de passe des terres désolées. Tu dois être l'ange. Aurais-tu quelques minutes à m'accorder? Qu'y a-t-il? Habituellement, je ne demande pas à une étrangère de régler des problèmes de sentinelle, mais je m'inquiète pour mes compagnons, mais je ne peux envoyer personne à leur recherche. Que s'est-il passé? Comme tu le sais, les Nightiba sont imprévisibles. Découvrir un nouveau variant n'est pas un problème, tant qu'on peut le gérer. Ce variant en particulier est apparu dans les terres désolées, donc on a essayé de garder un œil dessus. Mais l'une de mes équipes d'éclaireurs n'est pas encore rentrée à Action.
Un nouveau variant, tu dis ? Oui, un monstre extraordinaire. Son cou et ses épaules ont évolué pour se transformer en arme. Je t'envoie les coordonnées. Il y a un entrepôt de pétrole abandonné dans un coin reculé des terres désolées. La zone était gardée par les éclaireurs. Tu veux que je retrouve ces sentinelles ? Oui, merci. Bon, ça sent un mini-boss, ou en tout cas un ennemi qui va m'emmerder au plus haut point. L'XP gratuite. Gold de Bitcoin, ça se prend. Raven. Roxane, merci. Non, Roxane, pardon. Raven, c'est dans l'héritage. Bah, à part des bouquins. Ah si. Si, c'est vrai qu'il y a encore des combinaisons que j'ai pas acheté avec elle. Ouais, j'ai récupéré 41 Bitcoin. Prendre ça. Oh mon chou, tu t'en vas? C'est une chose étrange à dire. Ah, il faut aussi que je les répare. J'ai oublié les détails. J'ai oublié que les combinaisons qu'on achetait, fallait aussi les réparer. Ça a vite fait bien fait. À condition que j'ai les matériaux pour la réparer, bien évidemment. Ah, Eve, t'as apporté la canette? Parce que j'ai déjà fait tous les préparatifs. Les préparatifs? Voilà. J'ai récupéré des choses qui traînaient pour que je puisse fabriquer une vitrine. Je pense que tu pourrais y stocker tes canettes. Une sorte de vitrine pour les conserver? Pas mal. T'as vu? Je vais te dire un truc. Lily Artemis fait toujours de l'excellent boulot. Oh! Il y a des récompenses en fonction des canettes qu'on récupère. Non max de mini intelligente, non max de potion de pan concentré. Et quand toutes les quêtes, on a une combinaison. Ok, bah ça motive encore plus à les récupérer. Ah, par contre, j'ai rien pour réparer ici. Alors que j'aille dans un. Sinon, si je vais voir Lily, ça devrait peut-être le faire. Pour distribuer l'énergie. Hein? Je savais pas que t'étais déjà allé à la chambre de présence? Attends, il y a un problème de connexion. Ok, c'est bon. Bienvenue à l'atelier de réparation de Lily. Ok, donc c'est Lily qui fait office de réparation quand on n'est pas dans les zones. Ok. Ah, j'ai pas accès pour les mers extrêmes. Triste. Bon, bah je sais quelle tenue crafter quand on aurait assez. En fait, j'ai pas toutes les acheter maintenant. On va les acheter une par une, les essayer une par une. Comme on fait dans Spidey, on récupère une tenue, on les utilise un peu toutes. Parce que si je récupère toutes maintenant, j'ai oublié celle que j'ai mise, celle que j'ai pas mise, que je me connais. Alors ça, ok. On va récupérer la quête qui est en plein centre-ville. Thank you.
D'accord. Par contre, c'était fermé ici. Avant. Salut. Oh, c'est toi. Comment ça, ennuyant? Oh, tu m'as entendu. Même désolé si je t'ai offensé, l'ange. Je ne cherchais pas d'excuses. Je voulais juste savoir pourquoi tu as dit ça. Quel est cet endroit? Voici ma boutique, le salon de coiffure de Gwen. Je suis Kassim, le coiffeur. Coiffeur? Je coiffe les cheveux pour que les gens se sentent mieux. Les tiens sont beaux, ils ont du potentiel. Mais ce potentiel a besoin d'être révélé. Là, ils sont ternes. Vraiment? Tu peux vraiment rendre ma coupe moins ennuyante? Bien sûr. Mais je n'ai pas les bons outils pour le moment. Ces soi-disant recycleurs les ont volés. Je ne peux pas faire tourner ma boutique sans mes outils. Mais ils les ont probablement juste jetés. Ces outils n'ont pas de valeur pour eux. Jetés? Où ça? Ce genre de choses finit généralement dans la décharge des terres désolées. D'accord. Je vais les chercher. En échange, tu me coifferas. Ça me convient. Il me manque 3 outils. Des ciseaux, un sèche-cheveux et un lisseur. Compris. J'attendrai ici, l'ange. Alors, dans le jeu, on a plein de tenues qui sont juste des skins purement cosmétiques. On peut acheter des lunettes et on pourra se coiffer. Non mais, ce jeu, il a tout pour plaire en fait. Plus j'y joue, plus je kiffe ce jeu. Bon, Kaya, on a tout ce qu'il te fallait. Ah, te revoilà. Je suis contente que tu continues de venir dans mon coin miteux. Oh, je pense que t'exagères un peu. Oh, non. Vas-y, continue. Kaya, c'est bien cette sacoche. La moto n'était pas récupérable. Elle était trop abîmée. Oh, c'est pas grave. J'accorde plus d'importance à la sacoche. Elle appartenait à ma sœur. Quand je l'ai perdue, je ne savais pas quoi faire. Et je pensais jamais la revoir. C'est vraiment incroyable. Tu es extraordinaire, l'ange. C'est rien. Tu pourras aussi sûrement m'aider plus tard. Si t'as encore besoin d'aide, dis-le-moi. Oui, l'ange. Donc la sœur de Kaya est morte. Bon. Bah, comme ça, ça règle le problème. Kaya, ta boutique, c'est la décharge des deux sœurs? Oh, tu as vu le panneau? Eh bien, plus maintenant. Mais je ne peux pas changer le nom comme ça. Non, c'est... Je suis désolée, c'était indélicat de ma part. Oh, c'est bon. Ma sœur, elle est en vie quelque part. Je le sais. Elle sera bientôt de retour, j'en suis persuadée. Bon, du coup, j'allais dire qu'on pourrait jamais voir la sœur de Kaya, vu que je pensais que ça allait être entre les deux. Mais ce qu'elle a dit, peut-être qu'elle aura une ligne de quête pour récupérer sa sœur. Alors... il manque une potion contenue dans mon sac, donc on va en prendre une. De puissance quand la santé est élevée. Ouais. Bouclier maximum plus 200. PV soigné lorsqu'un ennemi est vaincu. Ah. Ça consomme des bitcoins, mais. Ok. Bon, il y a des trucs intéressants, mais. Ce sera tout. Oui, mais l'affinité de Kaya va être très longue à monter. Pour pexer Kaya, ça va être très 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 long. Mais bon, on le fera. Bon, j'aurai plus de ressources. Du coup, ça c'est fait.
Ça, c'est les quêtes qu'on a activées via le panneau, mais qu'on n'a pas encore de quoi les faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour des quêtes qu'on a dans la zone. Alors, j'ai d'abord ouvert l'entrepôt d'Aaron. Parce qu'on va activer les quêtes, vraiment cette fois-ci. Si tous les objectifs sont dans les terres désolées, on commencera les prochains épisodes dans les terres désolées. On fera les quêtes et une fois que toutes les quêtes seront faites, on ira voir Orcal. Parce que si je commence à accumuler trop de quêtes, je vais m'y perdre. On va faire ça au fur et à mesure, tant qu'on peut. En vrai, j'aurais dû les activer avant. Mais bon. Là. Je pense que ça va être ça qu'il fallait que j'active. Non, c'est pas ce mot de passe là. Je pensais que c'était ça, moi. Mot de passe. Xion, entrepôt d'Aaron. L'entrepôt, j'ai pas encore dû le trouver, alors. Bon. Point de TP ici. Observe. Orcal t'a autorisé à entrer dans la ville, mais ça veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux. Ah, c'est pas toi qui me file la quête. Bah elle est où? C'est le chat noir de ma cliente. Ce n'est plus qu'une dépouille froide. Faire. Ah, fallait juste que je fasse ça, d'accord. Je pensais que je trouvais un PNJ, que je débloque la quête, moi. Bon, bah écoute, ça c'est fait. Ah oui, il y a l'énigme aussi. Oui, alors l'énigme, on fera ça plus tard. Hein. Faut qu'on aille voir pour le frangin disparu. Trouver Mathieu qui a disparu à Xion. Non, c'est pas le frangin ça. Je vais perdre toutes les quêtes. Non, ça c'est le mari. J'ai tellement de quêtes qui se ressemblent toutes que je m'y perds. C'est pas toi non plus, décidément, je vais pas y arriver moi aujourd'hui. J'ai vu le point vert. En vrai, je suis tellement hype par le jeu, j'ai tellement envie de le continuer que du coup, je me perds dans ce que je veux dire dans ma tête. Un ingénieur dans un tel endroit? Oh, la cellule corporelle est éteinte. Personne ne me croit, le faux prophète nous ment. Le berceau n'appartient pas aux humains, mais aux Naitiba. Ils essaient de nous transformer en Naitiba. Vous verrez, bientôt le regret et le désespoir s'abattront sur Xion. Eh, ça peut faire écho à l'hypothèse que j'ai. Le mari de ma cliente. C'est pas le grand amour entre lui, Orcal et le berceau. Ça c'est fait. Ouais, bah va rester que la quête de l'énigme. Alors, on va la garder pour la prochaine fois. Bon, j'aurais dû me TP au panneau, mais c'est pas grave. Donc ça, on va faire le point sur toutes les quêtes annexes qu'on a et qu'il nous reste à faire. Panneau d'info. Très bien. Donc 1000 gold pour le mari.
et une gold pour le chat. Alors, il nous reste la belle au bois dormant. Et du coup, l'énigme des novices. Et là, de ce côté-là, j'ai obtenir ciseaux, sèche-cheveux et fer à laisser dans les terres désolées. Et inspecter un troupeau de pétrole pour retrouver les sentinelles. Ok. Par contre... Ah, la belle au bordement, elle est dans le berceau. Ok. Il faudra qu'on avance... dans le berceau. Dans le... Dans la chambre d'Orcal. Ok. Bon. Et ben, comme j'ai dit, la prochaine fois, on commencera dans les terres désolées pour faire les quêtes qui sont liées là-bas. Et après, on pourra s'atteler au reste des quêtes à l'intérieur de Xion. Et on pourra aller voir Orcal pour voir ce qu'il se trame, parce qu'il nous doit quelques explications quand même. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Le petit like, commentaire et partage qui fait plaisir, vous connaissez la chanson. Le Discord en description. Et je vous dis à bientôt pour la suite de Stellar Blade. Salut!